comme vous pouvez le voir derrière moi, les bénévoles ont été présents tout le week-end ici au Leclerc de Tours-la-Ville afin de récupérer des denrées pour les Restos du Cœur. Les besoins les plus importants aujourd'hui, hein, ce sont les denrées alimentaires. Et c'est pour ça qu'on fait des collectes nationales tous les ans. Pas toujours facile d'ouvrir la porte des Restos du Cœur. La première fois, c'est un peu avec timidité et puis parfois honte. Mais on est là un petit peu pour les aider. Les bénéficiaires sont souvent c'est dans la précarité. Parfois, c'est simplement qu'un mauvais passage dans leur vie où ils ont besoin justement de venir pour l'aide alimentaire. Et parfois, l'aide à la personne où ils sont un petit peu perdus hein, dans leur dossier, dans leur recherche d'emploi. À Tours-la-Ville, ils sont plus de 18 bénévoles réguliers à distribuer des denrées. Le bilan 2022-2023 est d'environ 33 000 repas distribués en une campagne.